Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012, je viens de me lever. J'ai savonné sur le dernier, les mots que j'ai dit dans la vidéo précédente. Au lieu de dire à plus pour la suite, j'ai dit à plus pour la Suisse, un truc dans le genre. C'était nul, hein. Bon, bref. Bon, alors, donc, je suis là. Qu'allons-nous faire de beau? Je ne sais pas. Donc, on cherche toujours un village de PNJ pour s'y installer tranquillement. Pour l'instant, j'ai pas trop de chance dans mes recherches d'endroits agréables où vivre. Donc, voilà, on va rester là comme ça et puis on verra bien. On va continuer à marcher. Donc là, je vais où? Bon, on va aller tout droit, puis on va voir ce que ça donne. Là, déjà, j'aime bien la forme. Bon, la montagne a changé de forme parce que c'était juste un bug de chunk. J'aurais dû m'arrêter pendant que je vous le disais. Donc, j'aimais bien la forme de la montagne. Je vais éviter de grimper tout là-haut. On va faire le tour par là. Hop. Attendez, 3 petites secondes. Voilà. Et voilà. Hop, 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 hop. Maintenant, village de PNJ. Hors notre village de PNJ. Hors notre village. Oh, je suis bête, moi, à chaque fois. Puis à la limite, il faudrait que je retrouve un temple pour avoir un petit peu de ressources provenant d'un temple, puisque vous avez tous remarqué, et si jamais c'est la première vidéo de moi que vous regardez, je ne suis pas fan des grottes et d'aller visiter les endroits souterrains avec des monstres dedans. Donc c'est vrai qu'un temple du désert, c'est vachement pratique pour moi. Hop là. Donc nous la repartie là. Tiens, il y a encore un arbre fruitier là. Peut-être j'irai un petit peu à reprendre encore à manger, mais bon, quoi que niveau bouffe, là je suis bonne. Hein. Combien j'ai? Oh, des oranges, j'en ai pas tant que ça. Ah ben, on va en rechercher un petit peu des oranges. Je me répète un peu, mais pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, c'est le mode de jeu Better Farming qui me permet d'avoir des fruits comme ça. Alors là, il faut que je reprenne du charbon, because j'en ai plus. J'ai tout cramé pour faire cuire mon fer. On dit qu'on fait cuire le fer ou qu'on le fait fondre? Là, j'ai un gros doute, là, je ne sais plus. Hop là. Et voilà. Et voilà. Allez, go. Oh là là. Oh que c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai dit oh là là, mais je le sentais que ça allait être beau comme ça. Garde-moi ça. J'adore. Je descendrai que si je vois du fer, hein. Sinon c'est pas la peine de descendre là-dedans. Hop là. Il y a des bugs de chunk à fond les ballons. Là il y a un bout de pierre qui vole. Voilà. Il y a les Rolling Stones et il y a les Flying Stones. Bon. Bah je vois pas de fer, hein. Pas descendre là-dedans puis me faire faire un rakiri là. Pas de fer non plus. Niette. Ah, fer! Oh, tiens. Oh, il n'y en a même pas qu'un, il y en a deux. Waouh. Oh, il y en a trois même. Bon, je voulais vous montrer que j'avais compté jusque 4, mais en fait, non, il n'y en a que deux. Trois, pardon. Allez. Bon, on va par où maintenant?
Ça, c'est le bruit de Orphée qui réfléchit. Hein. Cherchez pas. Hop. Toc. Tiens, j'ai mangé des citrons. Voilà. Ça me fait une place dans mon inventaire. Waouh. Voilà. Hop. Bon, alors. J'espère vraiment qu'on va trouver quelque chose à faire parce que là, sinon, ça va commencer à devenir un peu... Oh, bah en même temps, c'est les aventures d'Orphéa, hein, c'est la balade et tout. Tchouk, aïe, je croyais que j'étais dans l'eau, ouais, ça surprend. Waouh. Parce que moi, je pars pas en vacances, alors du coup, je me promène dans Minecraft et puis voilà. Avec Marc Phoenix, on est en train de réfléchir à ressortir une aventure ensemble. C'est un scoop là que je vous sors. Parce qu'on a juste émis l'hypothèse hier. Donc voilà, c'est tout neuf. Hein. Et c'est pas encore fait. Oh là là, je suis tombée dans un coin tout pourri. Mais je vous donne quand même l'info en exclusivité. Aïe, oh, ça va être dangereux là ce que je fais parce que là vraiment... Voilà, je vais nager, ça sera beaucoup plus intelligent. Non, quand on fait ça, on nage plus. Non mais c'était un test. T'avances pas? Oh bah super, il plante un peu en plus. Waouh, regardez la cascade là-bas. Il y a des sacrées profondeurs. Et là, tu sais, c'est au moment où tu es en train de nager comme ça. D'un coup, il fait nuit. Et tu peux rien faire. Et il fait nuit. Qu'est-ce que c'est là-bas? Un petit lapin noir? Non, il n'y a pas de danger, mais... C'est juste un bug de chunk, mais sur le coup, on aurait pu y croire. Une marmotte, tiens. Oh, une petite marmotte. Non, c'est un bug de chunk, c'est tout. C'est même pas une marmotte. Bon. Y a pas des petits PNJ là dans le coin qui voudraient m'accueillir et tout, non? Avec une forge, mais alors garnie, mais terrible quoi. Hop. Et on monte. Et là, c'est un désert gigantesque. Ouais. Je fonce dans le trou, moi, n'importe quoi. Ah là là. Bon, c'est pas si grand que ça. Mais c'est pas si petit quand même. Donc on va y aller. On va voir. Peut-être un peu de bol. On sait jamais. Et hop, un village de PNJ. Un temple, n'importe quoi. Quelque chose à faire, quoi. Parce que là... Dans le dernier épisode, je me suis fait péter un temple du désert sur la tronche. Oh la crotte. On va regarder ce qu'il y a à côté de la lave. Là, du coup, je me rabats sur les lacs de lave hein, quand même. Ah ouais, d'accord. Oula, fais gaffe où tu mets tes papettes. Aïe, j'ai eu peur en plus. C'est tout. Non mais limite c'est pas drôle quoi. Bon, bah, c'est tout. Il va bientôt faire nuit. J'ai faim. Tout, tout, tout. Je marche plus.
Et bah alors? Ouh là là! Alors attendez, on va déjà se faire un lit et après on va gérer un petit peu les bugs comme ça, je sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est un petit peu chiant. Heureusement que j'étais pas dans une grotte en train d'essayer de me barrer. Ça m'est déjà arrivé. T'es dans une grotte, faut courir et puis ton clavier marche plus ou ton Minecraft bug et t'es comme un con là, au milieu de rien à chercher un endroit où pas mourir en fait. Allez, on va manger des oranges, tiens. Le matin, ça fait du bien les oranges. Dit la fille qui est complètement incapable de boire un jus de fruit ou de manger un fruit le matin. J'ai horreur de ça. Ah là là. Bon. X. Il y a des citrouilles là, on va aller les chercher. C'est pas des citrouilles, c'est des cochons. Ok. C'est marrant parce que là, j'avais cru voir de l'orange. Bon, bah c'est tout, hein? C'est pas des citrouilles, c'est des cochons. Oh là 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 là. Va falloir que j'arrête un petit peu. Est-ce qu'un jour, je serai capable de faire une aventure sérieuse? C'est pour ça qu'il faut que je fasse une aventure avec Marc Phoenix parce que peut-être qu'il va me remettre dans le droit chemin des aventures sérieuses. Je ne sais pas. Ce serait pas un mal. Eh ben, dis donc. Tiens. Et un zombie. Bah dis donc, et depuis quand tu crames pas en entier, toi? Oh mais... Attendez, j'ai glissé de mon tapis de souris. Hop là! Voilà. Hop là, nous revoilà avec les cochons. Des cochons citrouilles, donc ça c'était neuf, tout neuf. Oh, il n'y a rien, bordel de merde, où c'est que je suis encore? Ça me saoule, hein. Je suis pas fichu de trouver un terrain qui me plaît, un endroit potable. Il n'y avait pas une faille là sur la minimap? Ah si, mais j'ai fait bien le tour de la faille. Ah si, c'est une faille quand même. Ça, c'est Orphéa qui fait un truc débile. Non mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis niaise il y a des fois. Et j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose en dessous de mes pieds, moi, mais bon. Patate, patate Orphéa, bonjour. Pas doué Orphéa aussi. Je prends de la cobble, c'est pour me faire une colonne pour remonter tout à l'heure. Encore du fer ici. Hop! Parce que là, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Bon, en même temps, je dis ça, mais j'aurais peut-être pas cherché autre chose, hein.
Tu veux pas? Hop. Et puis là, du fer, il y en a encore ici et nulle part ailleurs. Ouais, ça sert mieux. J'ai du bol, n'empêche, hein, parce que je sais tomber, on dirait, hein? Parce que là, c'était quand même de toute beauté ce que j'ai fait. Ben, niveau fer, je suis pas mal blindée là, hein. Pourrait toujours être mieux, mais niveau fer, j'en suis à 16. Waouh! Bon. Donc là, c'est toujours pas des citrouilles, c'est encore des cochons. Là, nous avons des moutons. Hop là. Prochaine aventure toute simple que je fais, pardon, je l'appellerai Cours avec Orphéa. Mais c'est pas compliqué, je veux juste trouver un village de PNJ potable. Celui de tout à l'heure était. Enfin, de tout à l'heure. De l'épisode précédent. T'es quand même pas formidable. T'as même pas une forge. Ah non. Ah, bah j'ai cru que c'était une citrouille, mais ce coup-ci c'était un cochon qui changeait de couleur parce qu'il s'était cramé dans le cactus. Donc me revoilà ici. J'avais pas un lit dans le coin, tiens. Parlons de ça. Hop là. J'ai peut-être un lit là-bas. Ben, il est là, mon lit. Ben, on va rester là. Je vais faire fondre mon fer. Hop. Parce que bon, j'ai quand même du fer à faire fondre. Et j'en profiterai pour me faire un petit peu une armure. Et tout ce qui va avec. Voilà. Parce que là, je sais pas où est le soleil. Oh bah oui, j'ai le temps quand même. Bah du coup, je vais faire fondre mon fer. On se retrouvera dans le prochain épisode. C'est bien, je vais redormir dans le même lit que la fois d'avant ou la fois d'avant avant, je ne sais plus. Mais je dors dans le même lit, du coup, c'est pratique ça, n'est-ce pas? Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.